Alors voilà, comme promis, je vous fais la vidéo parce qu'il y en a qui disent que je suis un traître, que je suis un jaloux, que parce que je me sens avec Karim alors on m'aime plus, sans savoir les raisons. Pourquoi je parle plus à Karim, vous le savez même pas, mais je vais vous l'expliquer. Tous ceux qui ont vu la première vidéo que j'ai faite, ça sert à rien de regarder celle-là, parce que je vais me répéter. L'histoire que je vous ai racontée la première fois, ça va être la même que celle-là dans la deuxième vidéo. Il n'y aura pas un truc de changé ou... C'est identique. Alors voilà, déjà je vais commencer par ça. Moi j'ai 36 ans, j'ai fait 15 ans de prison. Dans la crime. Ce n'est pas une référence, c'est pas ce que je vous demande de faire. Mais, j'ai jamais eu de problème. Jamais. J'ai 36 ans, je suis encore en vie. Pourtant, j'ai fait des trucs de ouf. Et depuis que j'ai connu ce gars, que des problèmes. On va en venir. Alors, on va commencer. Comment j'ai connu Karim Tushiland? Sur Facebook, je connaissais pas. Moi, je sortais de prison. J'ai connu Facebook, tout le bordel. Et j'ai vu Tushiland, les clips, tout le bordel et tout. J'ai bien aimé. J'ai dit, ouais, ça doit être des vrais de la rue. Et j'ai rencontré un mec d'Amdam sur Facebook qui m'envoie directement à Karim. On parle avec Karim et tout. Et à Karim, je lui dis, ouais, j'ai fait un son sur le même instru que toi. Karim, il me dit, ah ouais, frérot, viens et tout, mais ne la mets pas sur mon mur. Je comprenais pas, moi, pourquoi. Je savais même pas ce que c'était le boycottage, rien. J'étais prison, comme je vous ai dit. Bref, on s'est rencontrés, moi et lui. Je suis monté à Orléans. On a fait un son. Au début, je l'aimais bien. Ah ouais, au début, c'était mon frérot. Bref, je redescends et tout. Un jour, j'étais au restaurant avec ma femme et mon fils. Il y a mon téléphone qui sonne. Et c'est lui, Karim. Il me dit, gros, il y a des mecs qui ont fait une vidéo sur un collègue à moi. Adam. C'était... Sinon, c'est Hadès qui avait fait la vidéo. C'est insulté son copain et tout. Et il m'appelle à moi, il me dit, ouais, essaye de voir, essaye de faire... Déjà, je suis père de famille. Voilà. Tu m'envoies dans des embrouilles que je ne savais même pas c'était quoi le délire. Je connaissais même pas. Mais parce que je t'aime bien, moi je suis un vrai de la rue. Comme je t'ai dit, j'ai fait 15 ans de prison, j'ai des principes. Donc quand j'aimais quelqu'un, je vais au feu pour lui. Je me suis mêlé. C'est moi qui ai fait enlever la vidéo d'Hadès. C'est pas toi, frérot. C'est moi qui ai appelé, je leur ai pris la pression. Je leur ai dit, écoute, lève la vidéo parce que sur ma mère, je vais te niquer ta mère. Voilà. Ça a été du direct. La vidéo est enlevée de suite. Ou même les gars, je ne les connaissais pas. Je n'avais même pas le temps, ils pouvaient venir après ou quoi. Non. Je me suis envoyé au feu. Pour toi. Bref. Après. Affaire Nada. Parce que c'est des affaires. C'est des affaires non classées. Mais je vais les classer. Alors, affaire Nada. Nada, il nous insulte un jour sur Facebook. Et je dis, bon, ben, on va monter. Il m'a insulté la mère. Je dis, bon, ben, on monte. Il me dit, ouais, on monte. On l'attrape à Nada. À la sauta, chez un ami, que je ne dirais pas le nom. Moi, je lui mets une claque. Parce qu'il m'a insulté la mère, c'est normal. Mais je ne suis pas allé plus loin. Et à ce moment-là, Karim, ils se sont pris tête à tête, Nada et Karim. Nada a mis une droite à Karim. Karim est tombé par terre avec ma caméra. C'est à ce moment-là qu'il a cassé ma caméra. Et il saignait Karim quand il s'est relevé. Après, ils sont rentrés dedans et Nada, j'ai vu qu'il avait la crainte. Parce que j'étais là, il croyait que j'allais sauter. Ou quoi. Après, je le comprends, Nada. Tu vois, je te dis, c'est pas un surhomme. Il a vu qu'on était deux. Mais moi, je n'aurais pas sauté, je suis loyal. Il a vu. Même lui, le gars qui était là, il a vu, je n'ai pas sauté. Vous démerdez. Comme des bonhommes. Il t'a mis en sang. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, Nada, je le comprends. Il a eu la crainte que peut-être je saute. C'est pour ça qu'il a eu le dessus. Après, ma caméra coûtait 1000 euros. Il m'a rendu que 500 euros. Après, affaire Moursaï. Je m'emboucane avec Moursaï, tout ça. Et j'ai dit, on va te le voir. On va monter. Il était avec une meuf. Il me dit, ouais, ok, on va monter. La meuf, rien que elle partait, elle revenait et elle me disait, ouais, c'est bon, j'ai eu Morsay au téléphone. Ils avaient leur numéro et tout. Et comme quoi, ouais, ça y est, c'est bon. On a rendez-vous avec lui. Il va nous donner les t-shirts. C'est bon, impeccable. Bref, mais moi, la meuf, jamais je la voyais téléphoner à Morsay.
On est monté à Paris dans le 18e, devant chez Morsay. Et Marc et Mehadji traînent de la galère sur la voie palette, dans le 18e. Mais en vérité, c'était pas chez Morsay. Il me la faisait à l'envers. On était devant là où il reçoit le courrier. C'est tout. Mais moi, je ne savais pas. Je me suis retrouvé devant avec la boîte à lettres marquée Mehadji traînent de la galère. Je croyais que c'était chez lui. Je l'ai attendu. Je disais à Karim, on attend. Karim m'a dit, non, tu comprends. Nanani, nanana. Je l'ai écouté, moi. Je vais essayer, j'ai une famille, allez, je redescends à Marseille. Allez. Mais la meuf, jamais je l'ai vu après. Il m'a fait un film. Un film. C'est après que j'ai réalisé. Quand je vais vous dire ce qui se passe après. Affaire Médair. Non, avant ça, il y a une meuf qui me parle sur Facebook. Yali. Et moi, toutes les filles qui parlent avec moi, je l'envoie à lui. Moi, j'ai ma femme, j'en ai rien à foutre. Tiens, démerde-toi. Après, je comprends, il fait de la musique. Amuse-toi, frère. Tu vois, je te dis. La meuf, elle parle avec moi, bon, bref, je l'envoie. Il me dit quoi, le gars? Il me dit, non, Inig, laisse tomber. Elle est jeune, elle va tomber amoureuse, je sais pas quoi. Déjà, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est la première fois qu'il me dit ça. Il sait que j'ai une femme, que j'ai un enfant. Comme si moi j'ai déjà couché avec des filles avec lui. Jamais de la vie. Bref. Après, une semaine après, Médère l'insulte sur Facebook. Il lui dit des trucs de fou. Des trucs que je suis resté con. J'ai vu ça, je dis, nah, il va se manifester. C'est moi et Samblas qui s'est manifesté à sa place. C'est moi et lui qui étaient en train de le défendre sur Facebook. Et lui, il était où pendant ce temps-là? Où est-ce qu'il était à votre avis? Il était à l'hôtel avec une meuf. Et la meuf, c'est qui? C'est la meuf d'une semaine avant qui m'a dit, non, Inim, c'est pas pour toi, laisse tomber. Là, là, là. Ça veut dire que si j'aurais pas eu de femme, peut-être j'aurais voulu sortir avec elle. Et bien, il m'aurait dit, non, 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 non. Il pense qu'à lui, le gars. Bref. Qu'est-ce qu'il était en train de faire avec la meuf? Il a enfermé dans la chambre d'hôtel. À cette meuf. Hein? Il a dit, ça rappelle très bien. J'ai encore contact avec elle, on parle ensemble. C'est une sœur. C'est sans place, il ne serait pas venu à ce moment-là, peut-être qu'il aurait dit où est. On ne sait pas. Mais la meuf, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec sans place, ils m'ont dit les deux mêmes versions. La meuf était dans la chambre d'hôtel, il a enfermé la chambre d'hôtel. Et elle m'a dit la même façon que sans place. Et elle m'a dit que sans place, il est venu et il a ouvert la chambre d'hôtel, elle est partie avec sans place. Si il n'y aurait pas eu sans place, on ne sait pas ce qui se serait passé. Voilà. Alors, attends. Nada, il nous insulte. On monte le voir. Médère, il t'insulte, mais tu ne montes pas le voir. Tu préfères rester dans une chambre d'hôtel avec une meuf. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors moi, j'ai des principes. Comme je vous ai dit, j'ai fait 15 ans de prison. Ce n'est pas une référence. En prison, il y a des fils de pute, il y a des pointeurs, il y a des meurtriers, il y a des violeurs d'enfants. Mais bon, quand j'étais dedans, on m'a appris qu'il fallait les prendre à coups de pied, cela. Après, moi, je fais des sous, normal. C'est normal. Je fais mon argent. Voilà, après, c'est mes problèmes à moi. Mais j'ai vraiment des principes. Je suis pas jaloux. Je suis loin d'être jaloux. J'ai aucune raison d'être jaloux. Cette vidéo, c'est une confirmation d'une affirmation. Voilà. C'est la vérité n'a qu'une couleur et le mensonge en a plusieurs. Voilà pourquoi je ne parle plus à Karim Teshiland. Voilà, parce que j'ai des principes. Un mec qui se fait insulter sur Facebook et qui reste dans une chambre d'hôtel pour violer une meuf, moi, je mets une croix dessus direct. Pour moi, c'est pas un bon homme. Voilà. Et je donne pas de rendez-vous et tout, parce que la fin de la vidéo, j'avais donné rendez-vous et tout, il est jamais venu. J'ai parlé sur son mur, il est jamais venu. C'est bon. Voilà. Voilà. Et une fois aussi, j'étais monté à Orléans. Et j'étais avec Ahmad et lui dans la voiture. Et à un moment, je disais à Ahmad, Ahmad, pourquoi tu fais pas tes t-shirts? Ahmad te chillant dans la nuit. Et là, Karim s'est interposé. Il a dit non, 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 non. Parce que, j'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que je veux que tout le monde soit pareil dans le Teshiland. Ah ouais? Pourquoi tout le monde est pareil dans le Teshiland? Hein? C'est pas vrai, personne n'est pareil dans le Teshiland, gros. Teshiland, c'était un groupe. Il y avait Samblaz, il y avait T2O, il y avait Nada, il y avait moi, il y en avait. On n'était pas tous pareils, parce que toi, quand tu faisais des sons, tu marquais Teshiland, tu marquais pas Karim Teshiland. Alors que Teshiland, c'est un groupe, c'était pas toi Teshiland.
Maintenant, oui, Pêche Vivante, c'est devenu un personnage. C'est plus un groupe. Hein. C'est un personnage. Mais avant, on était un groupe. On n'était pas tous pareils. Puisque tu dis on est tous pareils, pourquoi tu ne prends pas Ahmad? C'est lui qui rappe le mieux dans le groupe. C'est lui le meilleur. Pourquoi tu ne le prends pas, tu ne le mets pas de l'avant? Tu sais pas quel âge. Arrête de rapper, prends le petit jeune là. Vas-y, prends Ahmad là qui l'a fait. Envoie-le de l'avant. Arrête de penser qu'à toi et te mettre que toi en avant. Fais-le manger le petit là. Je l'ai vu, hein. Je suis monté moi à Orléans, je l'ai vu Ahmad. Il a rien le pauvre. Sous ma mère. Et toi tu le laisses comme ça. Ouais, tu l'appelles que quand tu as besoin. Quand tu dois faire un son, tu fais montrer à toutes tes fans. Non mais regardez, le groupe Pêche Vivante, ça existe encore. Voilà pourquoi tu l'appelles. Mais en vérité, tu fais rien pour lui. Alors que c'est lui qui mérite le plus. C'est lui qui méritait le plus dans Pêche Vivante. C'était lui. Il rappe mieux que tout le monde. Ah ben non. Tu fais un son avec lui, je te fais montrer aux fans, voilà, ouais, on est encore là le groupe. Mais tu n'en occupes pas. Tu le laisses comme ça dans son quartier. Pff, eh vas-y, là. Sous ma mère, tu me dégoûtes. Vas-y, apprends-le le petit sort-le. Je fais mieux de l'avant. Il mérite plus que toi, que moi, que nous, ça y est, on a passé l'âge, photo. C'est lui, l'avenir. Mais non, toi, tu crois que l'avenir, c'est toi. C'est pas toi l'avenir, photo. C'est la jeunesse. Depuis que je suis dans le rap, j'ai pas vu un vrai gangster. J'ai pas vu un vrai voyou. C'est que des artistes. Alors, les jeunes à qui je parle, ceux qui disent que je suis un jaloux. Un traître ou quoi? Arrêtez de croire à des vidéos ou des clips. Hey, moi je suis un mec des clips, moi. Moi je suis un mec du terre-terre, hein. Je suis un mec de la... Il le sait, de toute façon il est venu me voir, même sans blase, il est venu me voir l'autre fois. Il a vu. Je l'ai ramené à Bassins. Comme lui là, quand il est venu me voir, je l'ai ramené dans tous les quartiers de Marseille. Il m'a fait remarquer. Voilà. C'était Enigme Gladiator. Dédicace à tout terrain, profil bas, réseau dangereux. BEL, Assam d'Ancre, Metec, Lily Big, Wanted, il y en a tellement plein. Voilà la famille, frappe de mortier 3 à la fin du mois. Et voilà, je vous ai fait cette vidéo comme promis. Après, c'est à vous de juger. C'est à vous de voir la vérité ou le mensonge. C'est à vous de dire Enigme il ment ou il dit la vérité. Voilà, moi, au fond de mon cœur, c'est la vérité. De toute façon, cette vidéo, elle va rester sur YouTube. Il n'y a personne qui va venir me voir. Parce que c'est la vérité. Quand c'est la vérité, c'est dur d'affronter quelqu'un. Et il le sait au fond de lui que c'est la vérité. Alors voilà. J'ai rien contre vous, ceux qui disent que je suis un traître ou que je suis un jaloux. On est tous des frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. Après, tu peux penser ce que tu veux de moi. Mais j'ai fait 15 ans de prison. J'ai des gros principes. J'ai jamais balancé personne. J'ai jamais eu de problème. Mais 15 ans de prison, je les ai fait comme un bonhomme. Je suis pas balafré, on m'a pas planté, on m'a rien fait de tout ça. Parce que je suis un homme, je suis droit, je suis loyal et j'ai des principes. Voilà, c'était Enigme Gladiator. Portez-vous bien, ceux qui me disent jaloux, que je suis un traître. Et portez-vous bien ceux qui me soutiennent aussi. Et bonne soirée la famille.